Hello YouTube, la suite de nos aventures sur Punch Club, le petit jeu de la hype, pas du tout. Mais bon bref, on en était où? Au secours, je ne sais plus où on en est. On a un combat dans 2 jours, mais je crois que je ne vais pas le faire. Et on a un combat clandestin dans 3 jours, mais je ne sais pas si niveau stats ça va le faire. Donc pas sûr que je le fasse. Nous allons nous focus sur le taf, les amis. Voilà, j'ai perdu un peu de stats, c'est pas bien grave. Hop, je suis full reposé, c'est bon. On va bouffer et on va aller taffer, histoire de faire de la thune. Hop, j'ai bouffé 2 steaks. Et hop, bah je suis full, nickel. Quoi? Attends, quoi? Oh non! Hein, encore, cette manette commence à vraiment me taper sur les nerfs. Mais merde! Je voulais aller bosser! Oh! Ah, il se passe un truc là-bas. Obligé d'y aller à pied. Hé, prof, vous m'avez l'air triste. Alors oui, lui, j'aurais dû le voir avant, mais bon, bref. Oh, bah, les problèmes de la vie, tout ça. Ça sent le crime par ici. Oui, comment avez-vous deviné? Quelqu'un a volé mon laser. Allez-vous appeler la police? Je n'ai pas très envie qu'ils apprennent que j'avais un laser dans ma cave. Ça peut se comprendre. Qui pourrait tomber assez bas pour aller voler un scientifique? J'en sais rien, ma mère a parlé à deux types portant des masques d'animaux. Je commence à trouver toute cette histoire carrément louche. Je vais essayer de retrouver votre laser. Ce serait génial, j'aimerais autant pouvoir à nouveau le serrer contre moi. Alors, nous avons Monsieur Propre qui nous vend les fameux équipements qui vont pouvoir nous permettre d'équiper notre garage et pouvoir nous entraîner. Et donc pour moi, mon focus ça va être le Wing Chun. Enfin, ça ne s'appelle pas un Wing Chun. Le Wing Chun est un art martial, hein. Et ça s'appelle un homme de bois. Et en vrai, l'homme de bois, je vais le focus à 4000%. Donc il me faut 250 balles pour l'avoir. Mais évidemment, il me faut de la thune pour la bouffe, etc. Bon, c'est un délire. Ensuite, je pense qu'il me faudra... Eh bien, je pense dans un premier temps... Bah non, je pense Wing Chun, et après on prendra le vieux banc. Ou le tapis de course. Peut-être le tapis de course et le vieux banc à la fin. Donc on va prendre l'homme de bois, la porte de vitesse, le tapis de course et le vieux banc. Voilà, dans l'ordre c'est comme ça. Alors on va lui parler, du coup. On peut pas lui parler, parce qu'on vient de passer un event. On peut pas lui parler. Ce n'est pas grave. Bon, allez, on va bosser. Et c'est parti. Bon, alors là, j'optimise à fond. Si je peux essayer de faire triple journée, ce serait cool. Et voilà, donc, et mon agilité qui ne descend pas, ça c'est... ultra OP, ce serait bien d'aller faire un entraînement au PAO aussi. Histoire de gratter quelques petits points de compétences. Allez, allez, finis ta journée, finis ta journée, finis ta journée. Nickel, bon là le moral il est très bas. Le moral est très très bas, nous allons au gymnase. Et j'y vais à pied. On économise, on fait l'entraînement au PAO. Yes. Et c'est parti. Allez, on a gratté 2 points de compétence, c'est cool. Nous allons devoir aller dormir, mais d'abord il faut que j'achète de la bouffe. Vous m'avez l'air encore plus fort qu'hier, l'ami. Oui, c'est vrai. Allez, paf, 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 au secours la thune. Mais bon, je rappelle qu'on a commencé à 3$, donc c'est pas mal. Et on va acheter 2 sodas, histoire de vraiment gratter quand on n'a pas si faim que ça. Allez, nous allons dormir. Oh. Et nous allons aller rebosser en suivant. Parce que je suis overhypé d'avoir un homme de bois. Je kifferais avoir un homme de bois en vrai, mais ça coûte énormément cher. Ça coûte plus de 1000€
Dans la vraie vie, ça coûte plus de 1000 euros, hein, un bon homme de bois, donc bon. Combat à venir, début d'inscription demain. En vrai, je pourrais peut-être m'inscrire pour le prochain combat. Voilà, le tout c'est de savoir alterner entre le taf, les combats et compagnie. Ok, bah pile poil, nickel, on bouffe. Et hop. Et hop. Voilà, bon, le moral est un peu au plus bas, mais... Inscription demain. On a un combat clandestin que je ne vais pas faire. Je ne vais pas le faire. Parce que je pense que je suis trop faible pour le faire. Et on y va à pied, on économise. Et c'est parti. Ok, bon, on va s'inscrire. Ah, le moral est un peu au plus bas là. Allez, donc, le combat au paro. Bon, j'économise. J'économise à mort. Enfin, l'entraînement au paro. Auto au paï. Après, les combats clandestins, c'est OP parce qu'on gagne de l'argent en plus, hein, mais bon. C'est très risqué. Et on va s'inscrire. On s'inscrit. En vrai, c'est gérable. Il faut juste que j'aille encore acheter un peu de bouffe. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'économiser un peu. Hop. Après, on a aussi les livraisons de pizza, hein, qui peuvent carry aussi. Mais les livraisons de pizza, alors c'est plus proche de la maison. Mais je crois que ça me rapporte moins. Bon. Dormons. Ok, donc le prochain combat c'est demain. Faudrait que je m'entraîne un petit peu pour monter l'endurance à 4. Ok, go. Je me tâte à aller faire une petite journée de taf quand même. Ouais, faisons ça. Ok, et je me tâte à aller faire une toute petite journée de taf. Le moral va être vraiment au plus bas. Mais bon, allez, 6 dollars, je les claque. Et c'est parti. Mais faut que j'aille m'entraîner, quoi. Ok. Allez, on passe le temps, c'est bon. Et du coup, paf. Allez, 10 balles. Et c'est parti. Bon, allez, on a encore un peu perdu de stats. C'est pas ouf. On stabilise. Ah oui, du coup, vu que je suis au plus bas niveau moral, c'est pas OP. Merde. Ouais, donc c'est vraiment pas OP ce que j'ai fait. Ouais, il faut que je monte mon moral. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah tant que je suis là, j'ai payé 10 balles, donc on va s'entraîner un petit peu, tant pis. Comme ça, on descendra pas en dessous de 3. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et ouais, vu que j'ai pas le moral, bah mes stats montent très très lentement, donc c'est vraiment pas OP ce que j'ai fait. Après, je gagne un tout petit peu de morale en m'entraînant. Ok, bon.
C'est pas ouf ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça vient de passer le... Ouais, le niveau 4. Ouais, mais de toute façon... Ok, bon, j'ai faim, très bien. J'ai compris. Attends, est-ce que l'entraînement au pow, je peux le faire? Ok, je peux le faire, nickel. Bon, bah, du coup, le boulot, va falloir que j'arrête un petit peu. Et que je me détende. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est quand le combat? Ah, mais c'est aujourd'hui le combat. Oh là là. J'avais pas vu ça comme ça. Ok, bon, claque de la thune, faut que je dorme. Oh non, la mallette. La mallette de ses morts. Oh là là, ils me font dépenser de la thune, c'est con. Ah, quel bazar! Laisse-moi deviner, tu t'es fait cambrioler? Pas moi, mais on a emporté les boîtes en carton! Et ce sont des types portant des masques d'animaux qui ont fait ça? Oui, comment tu sais ça? Tu as quelque chose à voir là-dedans? Non, 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 pas du tout! Mais j'ai trouvé une drôle de mallette et... Bref, c'est trop compliqué à expliquer, mais je n'aurais jamais fait une chose pareille! Moi, tu comprendras quand même que je garde un œil sur toi! Aïe, aïe, aïe! On dirait que cette mallette recense les crimes commis un peu partout en ville! Et ces derniers temps, bien trop de crimes ont été commis. Ce dont cette ville a besoin, c'est d'un héros. Et ce héros, c'est moi. Il est temps de démolir les tronches de criminels. Le point de la nuit. Vous êtes désormais le point de la nuit, vous êtes trop cool. Ouais. Alors là, je suis dans la merde. Ah oui, j'ai faim, merde. Ah non, mais je suis grave dans la merde, j'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas vu ça comme ça. Parce que j'ai mon combat. Eh bien, c'est parti. Oh, bec sort, ben c'est la rouste. Après, le fait de combattre monte le moral aussi, donc forcément, c'est l'équilibre. Allez, go. Ouais, je mets la rouste hein, quand même. Hein. Ouais, mais ça, en fait, à chaque fois, je le recombat parce que du coup, je... Je saute des combats, je fais pas les combats tous les deux jours. Donc je descends en classement, je perds des points. Ah, c'est pas évident, mais bon. Une fois qu'on prend nos marques, ça se fait. Yes. J'ai gagné. Et donc j'ai gagné du moral. Donc est-ce que ce serait pas OP que j'aille m'entraîner vite fait maintenant? Est-ce que je peux refaire l'entraînement au parle? Ah merde, je peux pas. Oui, parce qu'en gros, il faut que 24 heures passent quoi. Ok, bon, je repaye 10 balles. Le moral est haut. Donc normalement, je peux refocus l'entraînement. Il faut que je passe au niveau 4 en endurance. Et après on sera tranquille. Après la force, tant pis, je la montrerai plus tard. C'est pas bien grave. Ok, il est saoulé. On va faire ça. Donc ça va, ouais, en fait, en faisant des combats régulièrement, le moral, on n'a pas trop à le gérer. Hop là, et normalement... Peut-être...
Yes, je suis passé niveau 4. Ok. Et donc, s'inscrire dernier jour, ce serait dans 2 jours du coup. Je peux tenter de le faire en vrai. Je peux tenter de le faire. Et donc, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Et carburant à la viande, ça je le débloque direct. Voilà, comme ça on est à 2-4-4. Bon, la force va peut-être baisser entre temps, mais c'est pas bien grave. Allez, on en profite, on a dépensé 10 balles tant qu'on est là. Voilà, je vais être une machine de guerre quoi. Une machine de guerre. Ok, et je pourrais même espérer entraînement efficace. Yes. Alors si j'arrive pour le prochain combat à être genre à 5, le combat sera demain. Bon, je vais rentrer. Bon, remarque, je pourrais pousser le vis un peu. Ok, bon, mon perso va avoir la dalle, donc hop, autant pas batailler. Nous allons rentrer. Par contre, je vais économiser. Nous allons bouffer. Ah, j'ai plus qu'une tranche de viande. J'avais pas vu ça comme ça. Ah, faut que j'aille bosser. Il faut que j'aille bosser. Et ouais, et il va avoir à mort la dalle. J'aurais pas récupéré complètement. Si. Ouais. Ouais, si, c'est bon, pile poil. Ok, il faut que je bouffe. Allez, mes deux sodas. Hop, et je suis parti. Pire plan cul. Ok, faut que j'aille bosser. Et vous savez quoi, on va même aller bosser. On va livrer des pizzas. Ah, ou alors je pourrais commander une pizza. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Allez, c'est parti. Et paf. Est-ce que je peux pousser le vis? Est-ce que je peux pousser le vis? Il va s'arrêter, il a la dalle, c'est ça? Non, c'est bon. Pile poil. Et ben, vous savez quoi? On va commander une pizza. Qui me monte le moral. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, pas combattre, non, surtout pas. Surtout pas, il faut que j'achète à bouffer. Oui, oui, je suis super balèze. De la viande. Pour faire le plein. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, voilà, les deux petites pizzas pour la fringale nocturne. Il faut que j'aille m'entraîner. Ou alors, je vais bouffer, je vais me reposer, je fais une journée, vite fait j'entame une journée de taf pour gagner 50 balles et je fais le combat à la dernière minute. Parce que de toute façon je pourrais pas monter à 5 mes stats. Ce sera trop court. Je peux limite tenter ouais mais non, il faudra que je sois reposé quand même. Allez, 2 dollars. Je me repose. Je bouffe. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'aurai pas le temps. Hop. Et on se met full. Ou presque. Je me... Allez, 6 dollars. Vas-y, on va commencer. Par contre, ce serait bien que je perde pas mes deux en force. Stop. Ah, je peux pas accéder au... Merde.
3, 6 et 6. Ah. Gordon va me laver le fion. Alors, il a l'esquive. Aïe, aïe, aïe. Je vais passer un sale quart d'heure. Ah, mais il bouffe tellement de stamina. Ça va peut-être se jouer là-dessus. Ça va peut-être se jouer sur la stamina. Il consomme à mort. Ah, c'est gérable. Bah, par contre, je vous le dis, le prochain combat, je le fais pas. Ah, c'est gérable, hein. Niveau stamina, c'est gérable. Ah, oh là là, il me met tellement chaud. What? Le... What? Oh ouais, non, il met trop de dégâts. Vas-y, nique lui sa stamina, là. Vas-y. Allez. Putain, il n'attaque pas assez. C'est mon perso qui n'attaque pas. Putain, mais si seulement il attaquait un peu plus, mon perso. Ah, c'est mort. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. C'était gérable s'il attaquait un peu plus, quoi. Mais en même temps, il avait des stats overkill, hein, faut pas déconner. Tu ne progresses pas aussi bien que tu devrais. Ça te dirait de te renforcer un peu sans avoir à t'entraîner. Ça serait génial, Silver, mais la magie n'existe pas, tu sais. Appelle ça de la magie si ça te chante. Et mon pote appelle ça de la science. Si ça t'intéresse, retrouve-le au magasin d'équipement de sport. Il t'expliquera plus en détail. Ah, et c'est le fameux qui avait perdu son laser. L'alchimiste. Allez voir l'ami de Silver, c'est peut-être un magicien. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas un magicien. Bon, alors, le problème c'est que là, juste c'est pas possible. Je ne vais pas m'inscrire. Et je ne vais pas faire le combat ultime, je vais bosser. Et ce qui est bien, c'est que je ne perds pas ma progression de taf faite précédemment. Mais le problème, c'est que ouais, l'accès au gymnase me coûte trop cher, quoi. Donc je vais taffer comme un sale. Et j'ai plus d'énergie. Merde. Et allez, le bus. Bon. Compliqué, compliqué. Ouais, c'est compliqué. Va falloir que je trouve le moyen de... Bon, déjà j'ai stabilisé, j'ai fait un... Au moins le 4-4. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. On va vite fait bouffer des pizzas. Et voilà. Et on va aller bosser. Et... Ouais, allez, j'économise. Et c'est parti. Ah, il y avait l'entraînement. Pow. Que je n'ai pas fait. Mais bon, ça coûte cher aussi l'entraînement. Pow, hein. Allez, tu peux le faire. Bon, il est pas content. Il a pas le moral. Allez, nickel. J'ai 282 balles, je peux aller acheter si j'ai envie l'homme de bois. Et je vais le faire. Psst, psst, par ici. La chimie, ce type est génial. Et il porte des lunettes, ça doit être un intello. Il y a de la magie dans l'air. C'est vous le type qui fait de la magie? De la magie, non, 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 c'est de la science. Je dispose de potions qui pourront vous rendre plus solide, meilleur, plus rapide, plus fort. Je les concocte dans mon sous-sol. Vous m'avez l'air juste assez courageux pour les essayer. Ça m'intéresse. Évidemment, il peut arriver cependant qu'il y ait quelques effets secondaires, hein, mais rien de bien sérieux. Et surtout, rien qui ne soit susceptible d'arrêter un brave gars courageux comme vous. Alors lui, bon voilà, évidemment, il vend du dopage. C'est non. Et nous allons acheter l'homme de bois. Ça y est, c'est fait. L'homme de bois.
Je suis overhypé par l'homme de bois. Nous devons aller nous reposer, nous devons les manger, nous devons surtout nous détendre. Bon, j'ai plus de thunes, donc autant en faire à pied. Et inscription demain, et le prochain combat, par contre, va falloir le faire. Prochain combat, va falloir le faire. Et il faut que j'achète à bouffer. Et il faut que je me détende un peu, donc on va faire passer le temps. Et ouais, j'ai perdu tous les... Voilà, tout ce que j'avais gratté en entraînement, je l'ai perdu. Évidemment. Allez, faut que ça monte un tout petit peu encore. Et je pense que ça va le faire. Ce serait bien, ouais, d'avoir ouais, l'homme de bois et... Ouais, il faudrait même au moins un autre équipement pour équilibrer. Et on va s'inscrire. Allez hop. Et on a un combat disponible, mais c'est non. Vraiment, tant que j'ai pas stabilisé, c'est mort. Je ne le tenterai pas. Là, je pourrais même dormir encore un peu plus. Mais il faudrait que j'aille bosser encore un chouïa, quoi. Bon, juste prochain combat demain. Je pense que je vais rebosser un coup. Et après, on va s'entraîner. Enfin, c'est surtout qu'il faut de la bouffe, quoi. Donc, je pense qu'on va aller bosser. Ouais, on va bosser. On fait double journée. Ensuite, entraînement. Ouais, vraiment, faut pas faire plus que double journée. Hein. Je pense que... Hop. Allons voir Apu. Hop, hop. Ouais, faut que je refasse le plein, forcément. Et j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Oh non, la mallette de ses morts, j'ai pas le temps. Camp de motard. Que s'est-il passé? Il y a un problème. Alors, référence à Snatch. Ouais, il y a un gars bizarre, un gars tout bizarre, en caleçon boule-boule, avec un masque débile, qui rentre dans le coin. Enfin bref, il y a des soucis dans le campement, on a des chiens qui ont disparu. Ce sont des types portant des masques d'animaux qu'ils ont emmenés. Ouais, c'est le bobo qui a dit. Là, on en a chopé un, mais il était trop fort, même pour bobo. Je comprends rien à ce qu'il dit. Combien de chiens vous ment-il? Il y en a un ou deux qui ont disparu chaque nuit. On va leur tomber dessus ce soir, pour les prendre en flaque de délire, c'est foiré. Bon, on serait pas con d'avoir de l'aide d'un costaud avec un masque. Alors, je suis le point de la nuit, je ne suis pas encore prêt, je repasserai plus tard. Oui, je repasserai plus tard. J'ai pas le temps. Je peux pas. C'est pas possible. Bon, il faut que je me repose, il faut que je m'entraîne avant le combat. Allez, stop. Allez, juste un morceau de viande, ça suffira. Oh, et l'homme de bois, quoi. Mais ça me fait pas gagner en force? Ah, c'est pas si ouf que ça, hein. C'est pas si ouf que ça. Allez, le dos en force, s'il te plaît. Non? Je l'atteindrai pas, bon tant pis. Je l'atteindrai pas, fais chier. Bill Spark, 3-2-2. Et voilà, c'est la baise. Si seulement j'avais 2 en force. Bon, en vrai, ça peut le faire. Bon, bah, du coup, l'homme de bois, c'est vraiment pas ouf pour la force, quoi.
Donc va quand même falloir que je retourne au gymnase si je veux up mes compétences à être à niveau quoi. Mais chier. Mais faut que je bosse, ouais, j'ai besoin de ma stune. J'ai besoin de ma stune, là j'ai 15 balles, c'est là-bas. Ah mais y'a plus stamina. Vas-y, tape-le. T'as quelque chose? Mais... il reste jamais. Ah si. Il est à zéro le con. Allez, fais quelque chose. Mais il est à zéro, il tombe pas. Il est impassible. Ah bah si, quand même. Quel enfer. Bon allez, c'est le moment là. Fais un effort du cul. Oh. Oh. Bon, je vais dérouiller hein. 3 giles quoi. Et non. Oh bah je l'ai dérouillé. J'ai gagné 4 points de compétences. J'ai gagné du moral à donf. Alors là, bravo mon pote, une vraie locomotive. Eh, on s'est bien marré la dernière fois, ça dit de remettre ça. Ouais, vas-y, on y va. Ça fait du bien de souffler un peu. Mais je dois y aller, ma soeur est de retour à l'université, c'est une intello, pas comme son frère. Passe à la maison, un de ces quatre, ça me ferait vraiment plaisir de te voir. Pas de problème, Roy, je passerai dès que je me serai remis de mon dernier combat. Il est vraiment sympa, Roy. Bon alors super. Bon de toute façon la journée va se terminer. Je pense pas. En vrai je pense pas. Et en vrai tant que je suis là par contre. Voilà, comme ça j'ai plus de thunes, c'est génial. C'est pas au petit adonf parce que j'ai un peu la dalle, mais de toute façon faut qu'on aille bosser. Mais bon, tant que j'ai le moral, je m'entraîne un peu. Allez hop. Ok, il a la dalle, il veut plus. Bon. Voilà, j'aurais poussé. Bon, Roy est là-bas. Bon, ouais. J'ai vraiment, je peux pas. J'ai piscine. Hop, oh, pour la fringale nocturne, on dort un petit peu. Ah, remarque. Ouais, non. On bouffe et on va bosser. Hein. Allez, go. Et c'est parti. Il me faut masse thune, il me faut masse bouffe. Et ensuite j'irai m'entraîner. Ouais mais il me faut du moral. Mais il me faut de la force. Donc je m'entraîne pour la force. Ouais, j'ai plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie. On pourrait aller voir Royce là étant donné. Salut Roy. Eh hey, mon pote, ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf? Eh bien je vais chercher ma soeur, mais ma voiture est tombée en panne. Galère. Ouais, enfin bon, je lui ai un peu parlé de toi, je lui ai dit à quel point t'es génial. Mais le truc de combattant, ça ne l'impressionne pas vraiment. N'empêche, tu devrais passer lui dire bonjour, t'es quand même un chic type. Adrienne. Vous devrez rencontrer Adrienne, la soeur de Roy. Espérons qu'elle ne lui ressemble pas trop. Merci mon pote, ok, je passerai la saluer. Super, bon allez, il faut qu'on parle un peu tactique. Après on pourrait s'entraîner ensemble. Ah, on peut demander à Roy de s'entraîner, ok, cool. Interroger sur ma sœur. Ouais Roy, ta sœur, elle est plutôt, comment dire, sacrément mignonne.
Ça, c'est de la ça, c'est de famille. Et puis, il y en a dans la caboche, hein, attention. Alors, suggérer de s'entraîner ensemble. Eh, ça pourrait être cool de m'entraîner avec un gars comme toi. Ouais, mon pote, s'entraîner avec un partenaire, c'est carrément plus efficace. Mais je dois réparer ma bagnole, elle est toujours en rade. Tu veux me filer un coup de main en échange de bons procédés, tout ça. Alors, bon, la grosse blague avec ça, c'est que même pour le combat amical, il va me dire la même chose. Donc, je vais aller voir Adrienne. Salut, ça va? Je suis un ami de Roy, il a dû te parler de moi, je crois. Oh, salut! Ouais, il n'a pas arrêté de me dire à quel point vous êtes super potes, super cool, toujours aussi vantard et toujours aussi gamin. Vous avez rencontré Adrienne! Génial. Moi, c'est Adrienne, enchanté. Enchanté aussi, faut que j'aille dire un truc à Roy. Les ailes de l'amour. Gagner l'affection d'Adrienne, ce sera probablement plus difficile que vos combats. Ouais, Roy, ta sœur, elle est plutôt, comment dire, sacrément mignonne. Ça, c'est de famille, attention. Je vais te confier un petit secret, je crois qu'elle t'aime bien. Je sais pas trop, Roy, c'est pas vraiment l'impression que ça va donner. Mais moi, je te le dis, tu sais quoi, elle adore les fleurs. Tu vois où je vais en venir? Ok, Roy, merci pour le tuyau. Alors, je vois qu'il y a des fleurs à côté. De rien, mon pote, je crois que sortir avec un type comme toi ne pourrait lui faire que du bien. Il y a des fleurs à côté. On peut interagir avec? On peut pas. Eh bien, Nick. Alors, je vais rigoler un peu avec Roy. Parce que je crois que ça me redonne un peu de... Bah, ça me donne du moral. Est-ce que ça me donne de l'énergie? Un petit peu. Surtout que ça me fait gratter de l'humeur. Et de la bouffe. Parce qu'il doit, payer les curlies, ce con. Il est au RSA, il achète des curlies. Ok, bon, ça suffit les conneries. Il faut que j'aille dormir. Et il faut que j'aille bosser. Et je pense qu'on va aller s'entraîner un petit peu. Histoire de monter la force à balle. Parce que ça va être très dur de monter le reste, en fait. En fait, faut vraiment que je me focus sur monter la force, parce que dans tous les cas, le reste ne bouge pas. Et ça, en fait, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu de se focus sur autre chose que ça. Ouais, vas-y, on va bosser. Hop là, 50 balles direct. Ouais, c'est du temps perdu de focus l'agilité et l'endurance, parce que dans tous les cas... Bon, alors limite, il faudrait que je focus le niveau 4 en force. C'est un peu débile. Ok. Ouais, pas ouf. Bon, j'ai 200 balles. Putain, j'ai 200 balles en vrai. Ou alors j'achète le... J'achète de quoi Je pourrais acheter de quoi monter la force. En vrai, je pourrais faire ça. Mais est-ce que ça serait efficace, quoi? Est-ce que ça serait suffisamment efficace? Bon, alors. Je vais acheter à bouffer. Yes. Ah, c'est compliqué. Là, je suis un peu dans une impasse. Enfin, pas dans une impasse, mais... Bon, voilà. Le problème, c'est que j'ai pas trop le moral. Attends. Ouais, je sais. Début des inscriptions dans 2 jours. Ouais, alors là je sais, je suis un peu dans une boucle infernale où on combat pas trop et tout. Mais j'aimerais bien vraiment poser les bases.
Ça va être très compliqué d'avoir des bonnes bases. Ouais, après c'est le moral. Mais après je peux aller rigoler avec Roy. Ouais, et ben je vais bourrer pour avoir le moral au plus bas. Et tant pis, je vais avoir de la thune. Ah mais peut-être qu'il fait un burn-out s'il a le moral qui va au plus bas. Va au bout, je t'en supplie. Merci. Ouh. Compliqué. Mais j'ai 200 balles. Je sais plus combien ça coûtait. Je sais plus combien ça coûtait. Oh là là, mais vraiment là le moral est au plus bas. Donc là si je m'entraîne ça ne sert absolument à rien. Donc on va essayer de full se reposer. Et au pire aller rigoler un peu avec Roy. Pour monter le moral. Et il va payer l'écurie. Ok bon je vais bouffer un petit peu. Ah ouais non là j'avoue qu'au niveau moral c'est pas ouf. Niveau moral c'est vraiment pas ouf. Ah, on pourra aller s'inscrire, mais je peux pas m'entraîner quoi. Bon, je m'inscris. Allez, on le tente, c'est le gumble. T'es champion, tu devrais penser à augmenter un peu plus tes statistiques à la salle de sport avant d'économiser pour avoir tes propres équipements à domicile. Ouais, mais gros, tu sais jamais sur qui tu peux tomber dans la rue, alors être entraîné te permettra de répondre avec les points si nécessaire. Essaie donc de me le prendre. Vous allez vous battre pour votre argent. Sauf que j'ai pas le moral. 6-3-6. Je peux peut-être le niquer sur le fait de lui niquer sa stamina. On va voir. Oh, mais il fait tellement mal. Oh là 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 là, je vais me faire défoncer. Je vais perdre ma thune. Putain mais c'était à côté de chez moi. C'était à côté de chez moi. Et je suis en train de me faire éclater. Mais j'avoue que les équipements à la salle de sport ils sont ultra OP quoi. Ah après la stamina, la stamina, la stamina. Ouais mais j'arriverai jamais. Putain. Ouais la stamina hein, ça peut jouer sur la stamina. Ça va être très compliqué. Mais j'ai même pas le dos en force quoi. Donc je tape comme une fille quoi. Enfin, une fille non entraînée aux arts martiaux évidemment hein, parce qu'il y a des filles qui en vrai me défonceraient la gueule. Allez enchaîne le comme ça là. C'est bien. Ça va être un combat très long, ça se trouve. Ah, si ça se joue sur la stamina et que je réussis ce combat, c'est incroyable. Oh là là. Ah, mais il a des percs et tout, lui. Après, j'avoue, j'ai 9 points de compétence que je n'ai pas utilisé. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, ça sert à rien. Allez, 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 récupère la stamina. Ça c'est tendu. Ah non, il va me la mettre à l'envers. C'est pas possible. Non mais ton Boubours, tu le laisses récupérer. Oh là là, mais c'est tellement serré. Ah ouais, non mais dès qu'il me met un coup, c'est la... Bon là, prochain coup, je suis mort. Ouais c'est la baise. Terminé, lose. Vous avez perdu la moitié de votre argent. Oh putain. Et du coup je suis ici. Allez rigolez avec Roy. Ah, faut que le moral y monte là hein.
Ça monte que dalle. Ça monte que dalle, c'est une arnaque. Ça monte pas, c'est une arnaque. Oh là là, mais je me suis fait niquer ma thune. C'est aujourd'hui le combat? Non, c'est demain. Après, j'avoue, il paye les curlis, Roy, donc c'est OP. Hein. Je consomme pas. Non, mais tant pis, je crois que je vais focus uniquement la force. Comme ça, je vais la lock à 4. Et après, je me concentrerai sur l'agilité et l'endurance. Mais j'aurai la force qui sera à 4. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Ah là là, je me suis fait niquer la moitié de ma thune! Tout ce temps passé pour rien. Je suis deg! Alors au niveau de l'arbre de compétences, ça se passe comment là du coup? Ouais, j'ai pile 9 hein. Donc en vrai, je pourrais juste bourrer. Ah, mais il me faut l'uppercut. Pourquoi je peux pas débloquer l'uppercut? Ah, il me faut 3 en force. Ouais, donc en fait, faut que je débloque l'uppercut, mais faut que derrière, j'ai 10 points de compétences pour débloquer mémoire musculaire. Au secours. Gagner 15% d'endurance en plus lors de vos entraînements. Ah ouais, tout ça c'est OP en fait. Vos déplacements en ville nécessitent 30% de temps en moins. Ah ouais, mais c'est ultra OP ça en fait. Ouais, mais plus tard. J'ai pas le choix, plus tard. Bon, je vais pas dépenser de la thune pour l'entraînement au PAO. Économiser. Et on va bourrer la force. Ouais. Faut que j'atteigne le niveau 2. Au moins. Après, je pourrais pousser plus. Ok, ça l'a saoulé. Ah, après, si j'atteins le niveau 3, c'est pas... Mais en plus, on l'avait déjà atteint, le niveau 3, c'est ça le pire. Bon, c'est compliqué, après, de trouver le juste milieu, hein, pour... Ok, bon, le niveau 3, c'est atteint, c'est cool. Ok, normalement, ça devrait mieux se passer. Ouais. Ouais, mais faut que je bosse quand même, il me faut de la thune. C'est insupportable. Ok, et je pense que ça va suffire. Je pense que ça va suffire. Ah, mais je suis vraiment, en plus je suis à deux doigts de loquer le niveau 4. Ouais, mais je pense qu'on va faire ça. On va s'entraîner à la salle, histoire de bourrer. Ah, Bill Spark, on l'a déjà affronté, c'est bon. Je suis hypé par ce jeu. C'est incroyable. Ah oui, Bill Spark était à fond puissance. Il a dû répondre, Bill Spark. Hein. Il l'a mauvaise. Hein. Ouais, bon, ces combats là c'est cool. Franchement, un combat sur deux pour l'instant c'est bien. Mais bon, ça donne du moral et ouais. Le truc c'est qu'à partir du moment où je vais être à 4 en force, je vais à mort consommer. Et ça va être un problème. Ça va être un gros problème. Ah, mais j'ai gagné de la thune! Gagner de la thune et je peux faire l'entraînement au PAO du coup, c'est gratos. Allez, go! Comme ça, on grade 2
Oh, on aura plus grand chose à débloquer hein, pour faire la suite de ce qui nous intéresse. Ah mais là je peux m'entraîner du coup grimper le niveau 4 en force ou presque. Je pense que c'est faisable. Ouais, je pense que c'est faisable. Ah non, sur la bouffe, c'est absolument pas faisable. J'ai fait une erreur. Merci à tous. Bon, c'est pas grave. On va dire que l'argent du combat a payé ce mini entraînement supplémentaire. Au moins, je repasse. Voilà, je repasse pas niveau 2, c'est cool. Allez, on gratte jusqu'au bout. En fait, je vais faire un aller-retour. Tant pis, je vais perdre de l'argent, mais je vais faire un aller-retour pour aller bouffer. Est-ce que je m'inscris? Moi, je pense que je peux m'inscrire. En vrai, c'est faisable. Ah, mais j'ai plus de bouffe. J'ai plus de bouffe. Il faut des sous. Mais du coup, après, j'avoue qu'on pourrait tryhard la thune à partir du moment où on est lock à 4 partout. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je dors? Je vous rendais con. Je sais pas pourquoi, je pensais à autre chose. Bon, faut que j'achète de la bouffe. Ok. Et tant pis, je me ruine. Ouais, on va focus le niveau 4. Nick. Ça va être très compliqué une fois que j'aurai atteint le niveau 4. Mais bon, au moins j'aurai un build stable. Et c'est soit je focus entraînement, soit je focus taf. Mais je pourrais focus taf pour après faire l'acquisition. Ok, c'est bon. J'ai. Stop, arrête tout. Ok, on est bon. Ah mais non, je peux pas. Il ne peut pas, évidemment. Il me manque 3 points de compétence. Et l'autre, si je lui paye l'entraînement ou pas, où il va m'en donner que 2. Donc je l'ai dans l'os. Bon, et ben on va lock. On va essayer de gagner de l'endu. J'ai repassé niveau 3, c'est une blague. Ouais, bah passer. Ouais. Faire un 4-5-5 si possible, mais j'y crois pas trop. Après, j'ai l'aube de bois à la maison, donc je suis peut-être pas obligé de focus le bleu. Non, juste focus le. Ouais, rouge et vert. Et pour la dernière journée, j'ai l'homme de bois et tel Hitman. Je vais tabasser mon homme de bois pour montrer à quel point je suis vénère et que je vais tabasser mon adversaire. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il me faut du rouge. Un petit peu. Bon, ça prend forme en vrai. Ça prend forme. Voilà, c'est juste je monte à mort parce que je sais très bien qu'avec le malus je vais me taper un. Ok, il a faim, il veut plus. Très bien. Bon, et eh ben j'ai pas le choix, faut que je rentre à la maison. Me fais pas le coup qu'il se passe un truc. Merci. Ouh. Allez, j'ai faim, fais chier. Voilà, c'est vraiment court hein. Là pour le. Là on focus juste le fait de loquer à 4. Après le reste.
Eh oui, mais il va se lasser ce trou du cul de son homme de bois à un moment donné. Il va se lasser de son homme de bois. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui. Ah ouais, mais il va se lasser de son homme de bois, putain. Alors donne-moi juste un tout petit peu de verre, voilà. Comme ça on... Eh oui, mais il va se lasser, voilà, il est en train de se lasser, c'est de la merde. Bah prends un peu d'enduit, s'il te plaît. Voilà, je retourne vite fait à la salle pour bourrer le bleu. J'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Et après, bah, il faut que je bosse impérativement. J'ai juste une tranche de viande pour bosser. C'est un plan cul. Allez, j'ai plus de sous. C'est la merde. Donne-moi du bleu à balle. Non mais c'est le pire truc pour avoir du bleu. Mais que je garde mon 5 en enduit quoi. C'est juste ça. Je pourrais jamais les avoir. C'est bon. Ah bien que. En tentant une arnaque. Je l'ai. Je l'ai. C'est bon. L'arnaque a réussi. Oh là là. 1, 2 et 3. C'était la peine de se faire chier. Oh, je fais mal à 4. C'est incroyable. Incroyable. Et faut que je bosse. Faut que je bosse pour faire de la thune. Ah bah là il va faire double ou triple journée, c'est pas grave hein. Oh par contre ma stamina. Ma stamina. Putain mais j'ai un avantage de ouf à la base. Eh ouais mais ça c'est les 4 en force. Ça c'est pas un secret, c'est les 4 en force. Et heureusement j'ai le niveau 5 en endurance hein. Parce que sinon je serais déjà au tapis hein. En train de me prendre des combos de la mort là, voilà. Ça pleut. Bon en vrai ça va, après je suis un buff face à lui, je crains rien. Ouais. Non mais fais un effort par contre. Ah oui mais en fait vu qu'il a pas assez de stamina, en fait faut qu'il attende un certain moment de un certain point de stamina pour attaquer. J'ai gagné 20$, bon ça sauve un peu les meubles. J'ai de quoi m'acheter une tranche de viande. Bon et ben on va loquer la force à 4. Voilà. Et donc bah du coup mes focus je pense ça va se jouer sur ça et ça. Donc 11 et puis ensuite 12 pour ensuite débloquer 13 et ensuite 14 pour avoir plus de résultats. Et après je pourrais débloquer la voie du tigre. Au secours. C'est l'enfer. Mais faut que là en fait faut que je bosse, mais faut que j'arrive à stabiliser ce que j'ai durement acquis. Et ça va être très difficile. Donc après je pourrais vite fait gratter. Aller me rentraîner. Monter. Quel enfer. Ouais, monter. Ouais, voilà. C'est bien pour ça qu'il faut faire ça. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est bientôt la fin de cette VOD surtout. Ah, c'est compliqué. En plus, je suis le genre de mec qui adore tout équilibrer au niveau des stats et tout dans les jeux. C'est une torture cérébrale en fait.
Mais limite, la force, je devrais la laisser Vanilla à 4. Parce que là, je la monte, mais c'est pas si utile que ça. Ah, c'est quoi ça? D'accord. Les squats. Ça va, toi? Ok. Non, mais il y a Adrienne, mec. Ah, oh, j'ai la dalle et j'avais jamais vu ça. Et j'ai la dalle. Ma vie, c'est de la merde. Est-ce que je fais le prochain combat? Non. Je fais pas le prochain combat. Et les combats clandestins que j'ai complètement zappé. Hein. Oh, et je vais plus avoir de. Donc j'ai bossé. Je pensais dormir, mais c'est mort. Ouais, je vais tellement perdre en stats. Ouais, et la force, clairement, là, du coup, je laisse tomber. Hein. Ouais. Et ben, on va remplir le frigo. Ça va se jouer au ras des pâquerettes pendant un petit moment. Mais on va s'arrêter là pour cette VOD. Voilà, des bisous YouTube et portez-vous bien. À très vite sur Punch Club.